crying. They sad. Farmer's land is crying. Crying. Farmer's land is crying. 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 Wow. Bunyakom dundubi danehom. Jurye garabi feson. Soufsi dakh albi nakon. Air bi ñu noy bari oxygène nak bitam soufay ñëk souf lañu muddu soufay sax souf lañu dëkk soufay tax ndur gi di baax gantax gi meñ suñu dundu nak. Vous suivez votre magazine La Clé des Terroirs. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Le durcissement de ton pour ne pas parler de révolte de la société civile face à l'inertie du gouvernement dans le dossier de la réforme foncière. C'est votre sujet du mois et de ce numéro 10 de votre magazine. Voici tout de suite les titres. La réforme foncière au Sénégal, toujours et encore avec les dernières évolutions dans l'élaboration du document de proposition du CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Il s'agit de foncier, mais surtout des législations. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous plonger au cœur d'un atelier que Indapronat et ses partenaires ont animé à Dakar avec le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Une association reconnue d'utilité publique mise en place depuis 1996 avec le soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Un groupement de députés qui s'inscrit dans une dynamique d'appui au pouvoir public, aux collectivités locales et aux acteurs de l'environnement pour promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance environnementale au Sénégal. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer avec votre magazine La Clé des Terroirs. Je vous l'annonce en titre, l'Assemblée nationale et le foncier. Figurez-vous que nos députés, beaucoup d'entre eux en tout cas, prennent à bras le corps la question foncière. Il existe du reste au Sénégal un réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement qui est là depuis plus de 20 ans. Parlementaires et fonciers, c'est la rubrique institution qui fait ici la restitution du dernier atelier sur le document de vision de politique foncière organisé par Indapronat pour partager les expériences et aspirations entre organisations paysannes et les élus du peuple. La gestion est privée, mais l'infrastructure est publique. Membre éminent de la société paysanne et élu du peuple, but clairement défini de la rencontre, harmoniser les points de vue sur les enjeux du foncier. Je tiens encore à préciser, c'est un document de vision de politique foncière. Rappel de l'objectif de départ et primeur au dialogue entre acteurs et décideurs. Et nous pensons que ces documents-là, réflexion de la société civile, politique foncière, doivent aussi être partagés avec les élus du peuple. Donc, qui doivent décider. Donc, ils doivent suivre un peu ce cheminement-là. Au niveau des terroirs, le plaidoyer reste le même, surtout quand il est porté par la gente féminine. Nous sommes tous les gens. Moi, je ne suis pas pour que, sauf si il y a des gens qui ne sont pas là, mais il y a la manière dont il faut faire. Moi, je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas là. Tu es un jour au maire, tu es affecté, tu ne peux pas dire rien. C'est ce que je peux dire. Pas encore la fin de la journée et il est loisible de constater les premiers effets positifs de l'atelier sur les députés. Avant de faire quoi que ce soit, un élu du peuple doit comprendre ce qu'il doit voter et ce qu'il doit faire. Et ceci aujourd'hui nous a permis vraiment de comprendre cela. C'est dire, la chance est devant dans la mienne des Sénégalais. Le président n'a qu'à prendre tout son courage et dire que cette réforme prend son temps, c'est le moment de le faire. Les Sénégalais ont besoin de ces réformes. Et que ces réformes est venue à l'heure où, si l'amendement viendra, si le projet viendra à l'Assemblée nationale, les députés auront le temps d'en discuter et de revoir ce qui correspond vraiment à l'aspiration du peuple sénégalais. Mais je crois que vraiment aujourd'hui, tous ceux qui sont présentés aujourd'hui à cette séance ont eu une connaissance augmentée et un savoir vraiment qui leur permet demain de pouvoir défendre les intérêts des paysans au niveau de leur localité. Le président du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal, qui aussi tient à rappeler de la prise de conscience parfaite des enjeux du foncier et de sa réforme par le chef de l'État. Les préoccupations sont énormes. Vous savez aujourd'hui combien de fois nous avons suivi à travers le pays des émeutes. Quand il y a eu donc
de grandes sociétés qui sont venues pour dire, écoutez, nous on va exploiter. Vous avez aussi le cas de Fanaï, etc., où il y a eu des morts d'hommes. Donc le chef de l'État, un homme avisé, encore une fois, a pris lui-même la décision de voir comment solutionner ce problème-là en intégrant tous les Sénégalais. C'est le processus qui est arrivé à terme récemment avec la mission conduite par le professeur Suran, à qui je rends un vibrant hommage. Et voilà comment les députés repartent beaucoup plus consciencieux des enjeux fonciers de leur pays et presque décidés à se muer avocat invétéré du monde rural. C'est par le canal d'un atelier de réflexion tenu au siège de Ndathiar Monde que le CRATS cherche à apporter sa contribution dans la législation foncière en gestation. Ici, le compte-rendu de deux jours d'échange entre experts témoins et acteurs de l'actualité du terre du Sénégal. C'est au début des années 90 que le Sénégal démarrait son processus de réforme foncière. Et ce n'est qu'en 2012, plus de deux décennies plus tard, que les choses sérieuses commencent à se mettre en place. Le 6 décembre de la même année, Macky Sall lance la CNRF, Commission nationale de réforme foncière. De ces expériences, c'est important que ça permet simplement de mieux... L'approche se veut inclusive et participative. On assiste ainsi à l'implication des communautés locales et des organisations de la société civile à travers notamment le cadre de réflexion et d'action sur le foncier, CRAFS. L'autre chose aussi, c'est de dire qu'est-ce que nous voulons. Plus d'un an après la remise officielle du document de réforme foncière, le processus replonge dans une léthargie notoire. Parce que la finalité n'était pas seulement de produire un document et de le mettre dans les tiroirs. Il s'agissait d'avoir un document de base qui va orienter la formulation de la nouvelle législation. Donc peut-être un appel aux autorités de l'État afin que quand même cette question qui est cruciale, notamment la question de la réforme foncière, qui est déterminante aussi par rapport à la résolution des conflits en milieu rural, en milieu urbain, soit également, en tout cas, parachevée, donc afin de trouver des solutions par rapport à ces difficultés. Jusque-là, le président de la République ne donne aucune orientation pour la finalisation du processus. Pire, la CNRF, qui était censée conduire les travaux, est dissoute. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le président, les anciens présidents qui sont passés, le président Abdou Diouf a lancé un processus de réforme foncière qui n'a pas abouti. Le président Ablaye Wade a fait la même chose, ça n'a pas abouti. Ce que nous ne voulons pas, avec en tout cas le président Macky Sall, que ce processus-là soit inachevé. En un mot, tout ça pour ça. Doute, incertitude, colère chez les communautés locales et toute la société civile. Fini les discours de complaisance, il est temps de mettre clairement la pression sur l'exécutif. C'est du moins l'idée qu'avance Zakaria Sambaché, chargé de programme de l'ONG Action Aid, qui se montre plutôt nuancé. Vous savez, la question foncière est une question complexe. Donc pour arriver à des résultats, il faut forcément avoir un rapport de force. Et ce rapport de force pour nous, puisque les lois et les politiques sont élaborées au profit des populations, au profit des communautés, donc il faudrait apporter des arguments scientifiques qui permettent à l'État de mieux comprendre l'importance d'aller vers une réforme foncière qui puisse effectivement prendre en charge, prendre en compte les préoccupations de la population. Maintenant, il faut chaque génération a besoin de peut-être de s'arrêter pour faire un peu le bilan et d'où cette réforme, d'où cette proposition, des propositions de la société civile, qui en réalité sont des éléments qui permettent de renforcer la sécurisation des populations, la sécurisation foncière des populations. Et pour nous également, ça permettra également d'enclencher les élans d'un développement durable, d'un développement. À chaque génération, son combat. Le combat de cette génération, c'est de mettre la pression sur l'exécutif pour aller à une autre étape. Bon, comme vous le savez, en fait, c'est une pression positive. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le sens de tout remettre en cause, mais quand même, c'est apporter des arguments, aller dialoguer avec des arguments scientifiques, avec des personnes ressources que nous avons, des juristes qui maîtrisent la question foncière, qui maîtrisent la gestion des ressources naturelles et qui pourront effectivement compétir, pas compétir, mais également apporter les clarifications qu'il faut. Entre autres décisions, les composantes du CRAFS,
constituer un pôle de juristes et d'experts fonciers. Parmi ces juristes consultants, Ludovic Rosner nous explique ici la sensibilité et la difficulté des dossiers fonciers pour les dirigeants africains. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays essentiellement rural. Il y a 70% de paysans qui vivent de la terre. Aujourd'hui, on veut faire une réforme foncière, mais on sait que la réforme va frustrer au moins une catégorie de population. Donc, sur le plan politique, les gens ont peur de frustrer les populations, qui sont les électeurs. Si vous dites, par exemple, qu'on va privatiser les terres pour donner des titres fonciers, il y a des gens qui seront exclus, qui ne seront pas contents, il y aura des conflits. Et les gouvernants en place ont peur de cette bombe sociale-là, qui est le foncier. C'est pour ça que ça traîne. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, le président Macky Sall disait à la Commission « Je veux sur ma table les résultats en fin décembre. » Ça fait 2 ans. Jusqu'à présent, on n'a absolument rien. Ce n'est surtout pas à l'approche d'une année électorale qu'on va réformer le foncier. Parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, il y aura forcément des frustrations. On veut ouvrir la voie à des investisseurs privés, mais ça, ils vont travailler sur des terres qui sont occupées par des paysans. On veut moderniser, etc. Donc, en aucun cas, on ne pourra faire une réforme foncière sans créer des frustrations. Et on n'en veut pas à l'approche des élections. Donc, il y a un manque de courage politique. Il y a des tergiversations qui s'expliquent par des raisons électoralistes. Et vraiment, ce n'est pas demain la veille. Je crois que les gens vont encore traîner. Peut-être après les élections, si Macky gagne, peut-être qu'il aura encore... Parce qu'il n'y aura pas un autre mandat, je crois. Il n'y aura pas de troisième mandat. Peut-être qu'il aura vraiment cette fois-ci le courage de décider que voilà ce que nous allons faire du foncier au Sénégal. L'avis est quasi unanime. Le Sénégal est dans une impasse. Et c'est logique aux yeux d'Ibrahim Massène, consultant à la radio Trade Point. Un débat contradictoire et des approches divergentes pour ce spécialiste du droit. Écoutons ses propos. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui vraiment félicitent aussi les concepteurs de la loi sur le domaine national. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, 17 articles seulement qui aujourd'hui peinent à être modifiés. Parce que tous ceux qui sont mobilisés pour apporter des modifications, n'est-ce pas, à cette dite loi, afin de l'adapter au contexte et aux enjeux du moment, aujourd'hui n'arrivent pas à le faire concrètement. Donc les générations futures, c'est comme si, étalent au grand jour, quand même, leurs limites, n'est-ce pas, contrairement à ceux qui nous ont précédés. Et qui ont vraiment fait preuve d'ingéniosité juridique extraordinaire. Nous avons toujours des juristes. Quelle est la différence entre cette première génération qui a pondu ces 17 articles et celle-là qui essaie de réformer dans la difficulté? Quelle est la différence fondamentale? La différence, c'est que, vous savez, les juristes d'alors étaient dans des enjeux vraiment très nobles. Et puis, ils étaient carrément dans l'intérêt général. Il l'avait en bandoulière. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les gens sont dans d'autres enjeux économiques, financiers, des enjeux de prébande et de position, de positionnement, etc. Donc, tout en oubliant, n'est-ce pas, cette masse, n'est-ce pas, qui devrait compter sur eux pour beaucoup plus de faveurs, pour beaucoup plus de progrès. Donc aujourd'hui, c'est comme si les générations futures et les générations actuelles auront de plus en plus tendance à ne se préoccuper qu'à leur propre sort, qu'à ceux de la grande majorité et puis le monde, surtout le monde paysan. Question, comment adapter les textes du droit puritain aux lois coutumières des communautés? Écoutons la réflexion du professeur Samba Traoré de l'Université Garçon Berger de Saint-Louis. Il suffit tout simplement de faire de bonnes lois. Or, une bonne loi, une loi qui se fait en marge ou en dehors de la société n'est pas une bonne loi. Parce que les lois dont on parle aujourd'hui, même les lois romano-germaniques que nous avons adoptées parce que nous avons été colonisés par la France, toutes ces lois-là sont issues de coutumes. Ce n'est pas des lois qui sont nées comme ça par un génie juridique, mais c'est des coutumes que l'on a accumulées pendant des siècles et qui se sont transformés en lois parce qu'il y a une œuvre de législation et finalement on les a fixées. La propriété elle-même dont on parle tant aujourd'hui au Sénégal, la propriété dans le système romano-germanique, mais ça a mis plus de 5 siècles à s'imposer en France.
Donc ce sont des lois qui, plutôt des coutumes, qui se sont adaptées au contexte et on est arrivé finalement à en faire des lois. Alors, si au Sénégal on s'arc-boute sur ce système romano-germanique, on ne fera jamais de loi qui soit acceptable en matière foncière. Parce que ici au Sénégal, on ne peut pas faire du foncier, on ne peut pas faire des lois si on ne retourne pas à notre culture. Parce que toute loi est d'abord culturelle. Toute loi a d'abord un fond culturel, un fond historique. Si nous ne retournons pas, je ne dis pas retourner au 18e ou au 16e siècle, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut adapter les lois au contexte actuel. Or, c'est bien possible. C'est bien possible. Notre contexte actuel, c'est un contexte, disons, de lois occidentales et de coutumes, surtout en matière foncière. Donc, il est tout à fait possible de réfléchir, puisque quiconque veut faire une loi aujourd'hui au Sénégal, quelle qu'elle soit, pas seulement en matière foncière, mais quel que soit le texte, si on ne fait pas référence, n'est-ce pas, quand on parle de coutume, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, le vécu quotidien, hein, c'est les pratiques, etc. Donc, on ne peut pas aller loin. Le professeur Abdoulaye Dieye, membre de la Commission nationale de la réforme foncière, est clair. En ses propos, il fustige que le chef de l'État ne sait pas de quoi il parle quand il juge le rapport de la Commission nationale de la réforme foncière. Le professeur Dieye, c'est lui qui signe et endosse le plaidoyer du mois. Je vous propose de l'écouter. Pour régler le problème foncier, il faut véritablement qu'il y ait une appropriation, il faut créer un consensus fort, parce que la question foncière, elle est sensible. Il y a non seulement qu'elle est sensible, mais il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'acteurs divergents, et c'est des intérêts divergents. Hein? Donc l'intérêt de l'industrie privée n'est pas forcément l'intérêt de quelqu'un qui n'a besoin que d'une terre pour vivre, etc. Donc il y a tout ça. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on met en place un document de politique foncière, surtout que la loi de 2004 lui invité à la mise en place d'un document de politique foncière. Quand nous avons mis ça, nous avons partagé, mais parce qu'on a cherché le consensus même par rapport au document. Même quand on a fait le canevas, le plan, on a cherché à avoir l'aval de tout le monde. Nous avons rencontré tous les acteurs. Quand on a eu le document, on a rencontré également tous les acteurs, la société civile, les parlementaires, les élus locaux, le secteur privé, donc le conseil économique et social, les partenaires techniques et financiers. Donc nous avons rencontré tous les acteurs et il y a eu un atelier national de validation. C'est après simplement que nous avons dit, on prend le document, on remet au chef de l'État. Parce que ce n'est qu'un document de politique foncière qui dégageait des orientations. Et on se disait, si le président valide, et nous, on ne pouvait pas penser que le président n'allait pas valider, mais si le président valide, donc on va tout de suite à la réforme des textes. Donc comme ça, parce qu'il y a si vous voulez, il y a un consensus, les orientations sont claires, on sait où aller, même par rapport aux réformes juridiques. Donc, mais il fallait quand même que l'autorité, qui a quand même lancé la mission, puisse valider le document. Et nous avons attendu. Quand nous avons terminé, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait peut-être une centaine de pages. Et nous avons dit, on sort le diagnostic. Ça n'a rien à voir. On laisse le document. Le document en tant que tel, c'était quand même 34, 35 pages. On a dit, même ça, c'est compliqué. On va faire des recommandations sur quelques pages, comme ça, même si on n'a pas beaucoup de temps, on peut lire parce qu'on dit recommandation numéro 1 et on commente en quelques lignes. Ça donne une vingtaine de recommandations, exactement 19 recommandations. Moi, je lui accorde la bonne foi, encore une fois. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement il a mis en place la commission, mais tout au long du processus, il nous recevait. Moi, j'ai fait part de toutes les délégations. Et il semblait être pressé à un moment donné. Il me disait, mais quand est-ce que vous allez me remettre ce document-là? Donc, est-ce que quelqu'un peut comprendre maintenant? À un moment donné, il dit, non, je ne peux pas, en invoquant quelque chose qui n'est pas dans le document. Il y a problème. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a problème. Parce que ça veut dire quoi? Il n'a pas lu, ou bien s'il a lu, il n'a pas compris, ou bien on lui a fait un mauvais compte-rendu, etc. Mais dans tous les cas, ça pose problème. Et voilà, moi j'en suis au constat. C'est le constat. Maintenant, l'interprétation, ça c'est autre chose. Mais je constate qu'il y a un problème. Parce qu'il dit, je ne peux pas valider, parce que dans le document, il y a A. Or, quand vous lisez le document, vous voyez qu'il n'y a pas A. C'est ça. Aussi simple que ça. Forêt, eau,
éleveurs, la dégradation du foncier pastoral. Le sujet nous amène dans la région de Thiès, plus précisément dans la commune de Dias, pour évoquer avec les populations de Bandia Bandiara et le président des éleveurs du Sénégal, Ousmane Sow, du problème d'accès aux ressources naturelles et à la difficile condition des troupeaux et de leurs propriétaires. Comment la réduction progressive du parcours du bétail constitue une bombe à retardement? Réponse dans ce dossier. Même si l'élevage pastoral apparaît résiduel sous ses formes canoniques, il faut souligner qu'il se redéploie dans les zones agricoles, se diversifie, se connecte au marché. Dans des zones comme l'Axembourg-Thiès, c'est beaucoup moins évident. Il y avait des terres, mais le seul problème est que il y a des gens qui voulaient venir accaparer cette terre. Parce qu'il y a les forêts classées que les éleveurs utilisent pendant l'hivernance. Bon, donc il y a des individus qui sont venus et voulaient prendre cette forêt. Et c'est des choses que nous déplorons en tant qu'éleveurs que nous sommes. Dans la zone à Bandia, quand on parle d'élevage pastoral, on parle forcément de ses contraintes spatiales. L'élevage pastoral est ici en danger. Les dynamiques écologiques, les défrichements et les politiques publiques compromettent l'accès aux ressources sur lesquelles repose sa mobilité essentielle. J'ai dit que c'est une catastrophe. Les experts alertent et n'hésitent pas à nous parler d'une bombe à retardement. Les éleveurs de Signe, de Ngeko, de Tassé, de Noto, de Dias, tous ces des éleveurs qui vivent dans cette forêt classée-là. Bon, s'ils ont pris cette terre-là, qu'est-ce que les éleveurs vont faire? Ils sont devaient aller là où les cultivateurs utilisent encore. Bon, il y a des bagarres qui vont déclencher entre les éleveurs et les agriculteurs. Et c'est le lieu de souligner que l'élevage au Sénégal se décompose en trois types principaux. Un élevage pastoral supposé immuable, mal aimé de l'État et du monde du développement, caractérisé par sa mobilité. À côté, il y a un élevage agro-pastoral, moins visible mais plus valorisé, car associé à une intégration agriculture-élevage garante d'intensification et de durabilité. Enfin, un élevage intensif urbain ou périurbain où se projettent tous les fantasmes de la modernité importée. C'est sur ce dossier que se termine ce numéro de La Clé des Terroirs. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci aux partenaires Rex Eper, Enda Pronat, Access, FAPD et Webin. Crying.